Bonjour à tous. Mais tu plaisantes à toi également. Attends, on passe une très bonne journée. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur un tapis géant roulant. C'est normalement un tapis d'entraînement pour les skieurs, mais nous, on est là en piéton. En gros, le tapis va nous contrôler pendant une petite, voire une grosse demi-heure. J'ai peur. Et on va devoir tenir. Ok. Il va aller plus ou moins vite. On va avoir... Plus que moins, j'imagine. Plus que moins. On va avoir quelques contraintes. Nos corps, c'est pas déjà des contraintes pour courir. tu les as mis en handicap ou pas? C'est un dernier qui tombe du tapis gagne. Sauf que là, le but du jeu, pour une fois, c'est pas d'être un contre l'autre et de résister, c'est d'être ensemble et de résister à la machine. Allez, on est une team, on se trouve un cri les gars, on se fait mal, on se fait mal, allez, on se fait mal. Donc, il y a une voix qui va contrôler ce tapis et qui va nous donner des missions. En gros, à chaque fois que la voix nous donnera un défi, si on ne le réalise pas ou si on échoue clairement, par exemple une chute, le défi est raté et on perd un membre de l'équipe. Si les trois membres restants réussissent le défi suivant, le joueur éliminé revient dans la partie. Faut qu'on le sauve en fait. En revanche, si les trois ratent le défi, il y a encore un membre qui part. Si on n'arrive pas au bout des défis avec au moins un membre sur le tapis. Un membre de l'équipe ou un membre du corps humain. Du corps humain, d'accord. J'ai tellement voir la main de Ben qui revient toute seule là. Et la main elle fait bang. Elle survit encore un peu. Quand on va être entre les jeux, on peut se tenir à la barre, c'est un peu le moment de repos. Pendant les défis, on peut jamais tenir la barre. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo. Ah, c'est un Tigane. Attends Pierre, et le tapis ne s'arrête jamais. Le tapis ne s'arrête jamais, il y a des moments où il ralentira. Le tapis never stop. Le tapis s'arrêtera tout à la fin. Le Graal sacré c'est ça au bout d'une demi-heure. Aïe 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 aïe. Une demi-heure, mais déjà quand je dure une demi-heure sur du béton normal, déjà je suis mort. Déjà il y a un problème là. Le petit avantage c'est qu'on est un peu en descente. Mais c'est pas un avantage. Je pense que ça tape les genoux. Hein. Ouais, comme ça en fait. Ouais, en danse constante comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Pas le choix là Pierre. Hein. Sachant que niveau cardio quand même, il y a une team poumon propre, une team poumon sale ici parce qu'on est très très peu sportif avec Ben. Ouais, mais les poumons propres n'auront pas le j'allais dire davantage. Parce que les poumons sont peut-être propres, mais le reste du corps est sale. Hein, donc, Messieurs, dames, je vous présente la voix du tapis de Tapis Voice. Bonjour à tous les quatre. Oh là là. Wow. Quelle voix. Votre défi aujourd'hui est de vaincre ce tapis roulant géant. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Non. Le tapis va démarrer. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça part. Non, mais c'est beaucoup trop. Non, c'est trop rapide. Ça, c'est la vitesse de croisière. C'est trop rapide. Mais non, mais c'est le début, c'est le début. Tu considères que 5 km/h, c'est rapide dans ta vie? Regarde, on marche comme des hobbits qui visitent la montagne. La communauté de l'anneau là. Quoi qu'il en soit, nous vaincrons. Messieurs. Ouais. Premier défi. Vous allez devoir vous passer ce plateau de balles. Il doit rester une balle pour que le défi soit remporté. Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 6 km/h. Donc là, on doit se le passer. Lucas doit avoir au moins une balle à la fin. Les gars, premier conseil, mettez votre centre de gravité très bas. Mais tu l'as déjà? Oui, non mais... Les gars, mesurez 1m74. D'accord, vas-y, on se met tous à la place de Ben. Oui, Fred. Oui, Fred. Une main dans le dos, messieurs. Oh, le serveur. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Je vais prendre une vingtaine de balles de ping-pong. Les gars, on recule de ouf. C'est pas grave. Attends, comment tu mets la main au milieu? Ouais. Oui. Les gars, là, on recule. Avancez. Les gars, on recule. Oui, Lucas. Et là, les boules, et là, c'est traître. Oh là, Lucas. Redonne-le à Thomas. Thomas, ramène-toi. Oui. Let's go. Première épreuve. Ben, j'ai bien aimé ton conseil sur le centre de gravité. Bien évidemment. Eh, n'oubliez pas, on est tous une team. On est la commune. Qu'est-ce que tu fabriques? Faux. Pierre Cross. Ce qui est un peu mignon, c'est que si tu tombes, t'es directement emporté comme ça. Bravo, messieurs. Oh, merci, la voix. Merci, la voix. Messieurs, pour l'épreuve suivante, je vais vous demander d'aller en haut du tapis. Bah, y'a rien à faire, du coup. On est en haut du tapis, madame la voix du tapis. Oh là là. Enfin, limbo. Le but est enfantin. Vous allez tout simplement devoir rejoindre le bas du tapis sans toucher le fil. Ok. Si vous touchez une fois le fil, l'équipe a échoué. Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 7 km/h. Non. Oh, ça augmente un peu. Bon, les gars, j'y vais. Tu vas en premier? Allez, Ben, on compte sur toi là. Je suis le plus petit, donc j'y vais. Oh, saute, Ben. Non, c'est beaucoup trop haut. Mais non, je peux pas sauter. Tu veux sauter, toi? Tout, c'est en dessous. Oh, il est chaud. Bien joué, Fred. Allez, Ben, vas-y. Oh, il passe. Allez. Tu vas, Lucas, ou j'y vais? J'ai l'impression de finir dernier, donc j'y vais maintenant. Allez, les gars, plus bas, Lucas. Plus bas. Allez, plus bas, tu vas le toucher. Non. Oh, le dos. C'est bon, il a pas touché, je l'ai poussé. Attends, je le tente en tac. Ouais, backflip. Le cerveau, il est en train de bugger. Vas-y, en backflip. En back. Non. Et bon, il a pas touché. Il a pas touché. Bien joué, Lucas. Allez, bien. Backflip. Pierre, saute. Oui. Reviens. Non, faut que tu te jettes. Pierre, jette-toi là, tu vas faire mal et jette-toi. Allez, Pierre, pour ta vidéo là. La communauté de l'anneau. Let's go. Je me suis brûlé 3 fois la jambe. Bon, c'est réussi là, la voix. Madame la voix, c'est réussi ou pas? Bravo, messieurs. Allez. Bravo à tous. Allez, on fait notre cri. C'est la communauté de l'anneau. Bravo.
Messieurs, pour le défi suivant, mes collègues sont en train de vous distribuer des slips. Pardon. Madame la voix, usagée ou pas? Oh, Dylan, qu'est-ce que ça foutu encore? Oh, Dylan. Vous allez devoir les enfiler sans tomber. J'ai une question, on peut les garder après? C'est pour moi, c'est cadeau. Ok. Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 10 km/h. Quoi? Non. Et on lâche la barre. Attendez, quoi? On a le droit de s'asseoir au sol quand même? Oui. Mais non, mais c'est impossible si tu t'assois au sol. Attends, mais 10 km/h, frère? Les gars, stratégie. Est-ce qu'on aide? Ah oui, il a réussi. Après, il a réussi, ouais. Mettez le slip très bas du sol. Voilà, très très bas du sol. Je vais tomber. Je vais évidemment tomber. Ah, reviens, c'est bon, je l'ai. T'as vu, toi? Ouais, je l'ai. Oh, très très bas du sol. Eh ben. Je vais évidemment tomber, c'est sûr, en fait, c'est prévu dans l'histoire du monde. La vie me rattrape. Attention, Fred, je vais tenter une technique. C'est bon? Oui, c'est bon. Il a le slip. Il reste combien de temps pour mettre ce slip? Il vous reste 30 secondes. 30 secondes pour mettre ce slip. Allez, Lucas, je te tiens le dos. Non, viens. Plus bas, et tu mets ton pied maintenant. Attends, je redescends d'abord. Non, viens. Pierre éliminé. Ah merde, Pierre éliminé. On va te sauver. C'est trop dur, les gars. Je vais un plan là-dessus. On dirait un vieux qui a fait caca dans sa couche. Non, mais je fais jamais ça, je crois. Messieurs, vous avez échoué. Vous allez devoir vous séparer d'un membre de l'équipe. Vous avez 10 secondes pour vous décider. Naturellement, ça devrait être moi parce que c'est moi qui ai échoué, mais est-ce que. Les gars, moi je suis objectivement le moins bon que vous quatre. Tu veux te reposer, Lucas? Non, les gars, on se bat à 3 pour amener Pierre. On va se battre pour Pierre. Je suis chaud. On se bat pour Pierrot. Vas-y, c'est sûr, on fait ça. Comme ça, moi, ça me laisse peut-être le temps d'enlever mon slip sur le côté. Ouais. Au revoir, Pierre. Benjamin, est-ce que vous enlevez le slip? Ouais, j'ai enlevé. Si, je vais l'enlever. J'ai l'impression d'être pressé de faire l'amour. Tiens, Dylan. Tiens, Geoffrey. Messieurs, prochain défi. Allez, gars. J'ai l'impression d'être un coach de vieux qui s'entraîne juste à marcher. Et pourtant, on n'y arrive pas. Hein. 40 plots vont être déposés sur le tapis. À la fin de l'épreuve, vous devez en avoir récupéré minimum 25. Les gars, 25 sur 40 pour me sauver. C'est-à-dire il en faut moins de 15 échoués. Oh les gars, on ramasse tout. Mental pour Pierre. En vrai, tranquille les gars, tu mets un petit mouvement de poignet comme ça. On n'oublie pas centre de gravité très très bas. Messieurs, je vais vous demander de vous mettre au milieu du tapis. Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 12 km/h. Oh les gars, 12 km/h. Allez, je compte sur vous. Quelle façon de courir de bête. Fais gaffe, pas t'arrive. Allez. Ah, oh putain, c'est dur. C'est trop dur. J'en ai un. J'en ai deux, j'ai failli tomber. J'en ai zéro. Mettez des gros coups de pied dedans, les gars. Je compte sur vous, les gars, j'en ai aucun. Bien joué, Fred. Wow. Oh. Je récupère tout à l'arrière. Oh. Attends, j'ai pas. Depuis tout à l'heure, je suis à deux doigts de tomber, là. Mais j'arrive pas. Oh non, ça va être trop dur, ça. Ça va être raté. Ah. Ouais. Let's go! Il ne prend même pas Ben! Si, je les ai! Oh. Les gars, il y a beaucoup d'échoués! Hein. Il y a beaucoup d'échoués! Moi j'ai fait mon match, les gars! Mais normalement, on les a! T'as un niveau de transpiration qui est extrême! Hein. S'il y en a 15 ou plus, c'est mort! 3! Même marcher là, ça devient un peu chaud, tu vois! 5, 6, 7. Attends, Ben, à un moment, il y en a qui passe à côté de toi, tu t'es même pas baissé! Les gars! Ouais! 12, 13, 14! Hola! Hola! Let's go! Il revient dans la course, Pierre, voilà! Vas-y! Et là, il se claque, et là, il tombe! Ok! Bravo, messieurs, vous avez remporté l'épreuve! Messieurs, pour ce nouveau défi, vous devez répondre au tac au tac à 30 questions. Vous avez 5 secondes pour répondre à chaque question. Si vous répondez juste, la vitesse du tapis stagne. Si vous répondez faux ou que vous mettez trop de temps à répondre, on augmente d'un kilomètre heure. Quoi? On est concentré, les gars. En fait, tu peux jamais réagir à un truc sans rester dans le groupe. Genre. Si à cause de la vitesse, un membre décide d'abandonner, l'équipe a échoué, vous devrez éliminer un membre dans ce cas. Ça ne ressemble pas, ça. C'est pas la commu, ça. On commence à combien de kilomètres heure, madame Lavoie? Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 7 km/h. 7, c'est-à-dire faut courir un peu quoi. Qui commence, madame Lavoie? Lucas Studio. Ok, je me concentre, les gars. Oublie pas que t'as un cerveau avant tout. C'est parti. Dans quel pays peut-on voir la Catalogne? En Espagne. Qui a dit Alea Jacta S? Alea Jacta S, le sort en est jeté, c'est César. Pierre, quelle est la couleur du rubis? Rouge. Quel est l'organe respiratoire des poissons? Les branchies. Que signifie procrastiner? C'est-à-dire ne rien faire. Faux. C'est remettre à plus tard quelque chose. Oh là là. Oh, bon bref, c'est ma vie. Voilà, c'est Benjamin Ricard. Quelle théorie doit-on à Newton? La théorie de la gravité. Quel animal est le colvert? Le colvert. Colvert. C'est un oiseau. Non, c'est un canard. Faux. Un canard. Vas-y. Oh les gars, ça s'accélère. Complète la phrase. Dallas, ton univers. Impitoyable. Vrai. Comment s'appelle l'ami lapin de Bambi? Pampan. Vrai. Dans quelle articulation du corps humain se trouve la rotule? Dans le genou, la jambe. Vrai. Quelle est la première ville à avoir eu le métro dans le monde? Non, Pierre, tu t'es fait gaffe. Trop tard.
Rome. Quelle est la nationalité du tennisman Roger Federer? Suisse. Dans quelle région peut-on trouver le Mont-Saint-Michel? En Bretagne. Faux, Normandie. Oh merde, désolé. Désolé à tous les Normands. Désolé à tous les Normands, désolé. Dans le 440, que signifie CAC? C'est caca. C'est l'abréviature de caca. C'est faux. On est à 12, les gars. De quel groupe Kurt Cobain était-il le chanteur? Nirvana. À quelle conjonction correspond l'esperluette? C'est le E, là. C'est le E, mais c'est... la conjonction, c'est l'addition, quoi. C'était E. Non. Lucas, dans quel département se trouve la ville de Marseille? Les Bouches-du-Rhône. Complétez l'expression, mettre du beurre dans les... Du beurre dans les épinards. Vrai. Je vais vérifier. Quel est le livre le plus lu au monde? La Bible. Vrai. Comment appelle-t-on le petit de la brebis? Le petit de la brebis, c'est le mouton, non? Faux, l'agneau. L'agneau. Comment s'appelle l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Ah, le Big Bang. À combien est égale la moitié de 2 x 2? 2. Dans la série d'animation Dora l'exploratrice, quel est le prénom de son ami singe? C'est Jean-Christophe. Faux, Babouche. D'après le roman, quelle fleur est associée à Fanfan? C'est un film, Fanfan là. Fanfan la tulipe. Quel film détient aujourd'hui le plus grand succès mondial au box-office? Avengers Endgame. Faux, Avatar. Comment appelle-t-on le fruit du chêne? Le gland. Combien y a-t-il de millimètres dans 5 cm? 50. À combien de jours équivalent 72 heures? 3. Quel état des États-Unis a pour capitale Montgomery? Faux. Vite les gars, une dernière question, Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Il est blanc. Vrai? Oui. C'est fini. Oh. Oh les gars, j'ai dit n'importe quoi. Et désolé à tous les Normands, je suis désolé d'avance. Messieurs, vous avez remporté l'épreuve. Je fais des petits repos moi. Bravo à vous. Je m'excuse pour tous les métros qui me regardent. C'était quoi la ville du métro? Londres. Je m'excuse pour tous les coiffeurs qui me regardent parce que là la coupe les gars, ça va plus du tout. Hein. Messieurs, félicitations. Merci beaucoup la voix. Messieurs, prochain défi. Vous avez derrière vous une structure avec des formes. Je vois le genre. Oh le bordel. Vous allez passer chacun votre tour et faire un aller-retour. Faut faire un aller-retour, ok. Vous pouvez choisir les formes. La plus large, c'est pour qui les gars? Si un des participants touche la structure, l'équipe a échoué. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est chaud parce que c'est pas hyper large. Hein. Les gars, je pense qu'on peut partir tout de suite celle-là. Par celle de Fred. Ouais, chacun fait sa strat, mais faut revenir aussi, c'est ça qui est dur. Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 10 km/h. Oh là là. Oh les gars, j'ai une strat à vous proposer. Ah, c'est quoi la strat? Vous t'es accroupi, on prend celle du milieu et on revient par la grande porte. Je commence, je vous montre ce que je tente, ok? Vas-y. Et comment on te regarde? Allez Fred, fais vite. On laisse la place. Où est Fred? Il l'a fait. Bravo. Tu vas. Wow. Oh, il a réussi, il est passé. Ouais. Tu vas. Fais-nous rêver. Attends, je vais tomber là. Bah oui. Ah, il a touché. C'est grave. Aïe. Attends, je tente quand même. J'ai failli tomber. Ah, c'était dur. Ah, c'était tellement dur. Allez, Pierre, il va tomber. Viens. Ah, je serais passé. Messieurs, vous avez échoué. Ouais. Désolé, les gars. C'est la commu. Vous allez devoir vous séparer d'un membre de l'équipe. Vous avez 10 secondes pour décider. Ah, ouais, les gars, j'ai raté parce que je suis vraiment mort. Pour le coup, j'ai envie de m'effondrer. Même tes cheveux sont fatigués. T'as vu? Tout mon corps est mort, donc je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse entre. Allez, Lucas, va te reposer. On essaie de te reprendre dans l'équipe. Défi suivant. Mes collègues vont, comme on dit dans mon jargon, vous bombarder la tronche pour vous faire tomber. Je vais faire des reprises de volée. C'est une balle aux prisonniers, mais où tu peux pas rendre les coups, quoi. Vous avez 2 minutes pour réussir ce défi. 2 minutes? Mais du coup, si on tombe pas, on est bon. Donc en fait, faut être costaud, quoi. Chers collègues, visez les pieds. La voix, j'ai une question parce que je commence à te connaître. Je sens que tu vas être un petit peu pénible là-dessus. On va à quelle vitesse pour ce jeu? Pour ce défi, le tapis sera réglé à la vitesse de 13 km/h. Mais n'importe quoi! Oh les gars, c'est parti. On lâche. Allez les gars, il va nous allumer, Thomas. Enfin, pas vraiment avec vous parce que sur le côté, je suis tranquille, quoi. Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Solide sur les appuis les gars. Voilà Fred. Donne tout mon grand. On va ski. Je vais garder avec moi les balles. Wow. Je vais tomber. Attention au ballon qui est revenu dans le mollet. Qu'elle est faire tomber. Regardez le lit. Oh. On s'arrête pas. On va pas sur moi. On va pas tomber les gars. On fait gaffe Pierre. Fais gaffe derrière toi la boule. Allez les gars. On pense gardien de but. Oh putain, il allait faire tomber. Allez les gars, ils savent pas tirer. Ah mais attends, je me fais shooter là. Ah. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont pas de force dans les pieds. Il y a des petites frappes par ici. Le tapis, est-ce que tu peux augmenter de 2 km/h? Non. Allez, donnez tout. Attention les balles. Elles arrivent par derrière. Oh putain. Ah, à mon avis, c'est dans les jambes les gars. C'est long. Encore 30 secondes. Oh.
Attendez, j'arrête pas de rire. Oh là là, c'est beau ce qui se passe, les amis. Bravo, let's go. Ils sont très très chauds. Oh, j'ai failli me prendre à la fin. Quelle équipe, je suis fier de vous, les gars. Vous avez remporté l'épreuve, vous pouvez récupérer un de vos membres. Allez, Lucas. Je suis même pas sûr de vouloir reprendre Lucas. Mais on a personne d'autre à reprendre, les gars. Bon, on va reprendre Lucas alors. Allez, on prend Joe. Joe, à mon avis, il a une belle blessure au coccyx. Messieurs, félicitations. Merci d'avoir. Messieurs, c'est le dernier défi. Allez. Dernier défi, hein. Allez, hein. Pour pouvoir arrêter le tapis roulant, il va falloir que vous buzziez tous sur ce buzzer qui est accroché sur la barre. Bah, vas-y, go. Okay. Non, en courant, je pense. Et elle va nous mettre à 377 km à l'heure. Je vais vous demander de lâcher la barre et de vous positionner en haut. Et on va tout en haut, ok. Petite pause. Petite pause, les gars. Profitez de la pause. C'est à présent le sprint final. Ok. Je vais demander au tapis de se régler à la vitesse maximale. Non. Ça existe, ça? Là, c'est le max, non? Wow. Non, mais non. Et là, on va y aller, là? À mon top, vous pouvez partir. Allez, les gars. Allez, Ben, vas-y. Ben, à moi. Les gars, allez. Let's go. Excuse-moi, Ben. Je me suis accroché au tir de Ben. C'était mon héros. C'était très dur. Il a failli y avoir une chute, les gars. Ah ouais, j'ai failli vraiment déraper et finir par terre, c'est sûr. Ça s'est joué à rien. On a réussi, les gars. Félicitations, messieurs. Vous avez vaincu le tapis géant. On a remporté le tapis géant qui descend du tapis roulant géant. C'est incroyable. J'ai en installé un dans ma chambre, je pense. Allez, on se relève. Il faut se relever un jour ou pas, là? On peut rester comme ça? Oh, redémarrer, Lucas, là. Il y a pas l'épreuve où on court à 30 km/h? Il y a des alligators qui sont derrière avec les gueules ouvertes. C'est le volume 2, ça. Imagine des chiens qui courent avec toi à 30 km/h et qui veulent te mordre. Bah, je pense qu'ils arrivent. Ils arrivent, je pense. On a gagné, madame la voix du tapis de la voix? Vous avez gagné. Je dois reconnaître que vous avez été bon. Allez, Dave. J'ai plus d'énergie pour fêter la victoire. Ah, non plus. J'ai une bonne excuse pour 3 McDo de suite. J'accompagne là-dessus, bien sûr. On est à Only Kart, c'est un complexe à Lyon avec du karting, du bowling et ce tapis d'entraînement de ski. C'était une très bonne expérience. Trop bien. Fin de vidéo, merci à Fred, merci à Ben, merci à Lucas. Vidéo collective Maison Grise, là, ça fait. Mais encore un nouveau concept, Pierre. Ah, mais c'est ce que je vous propose. Mais le slip, hein. Maintenant, je sais que je peux enfiler un slip. À 12 km/h. Et en général, hein, tu peux enfiler un slip, ouais. S'il te plaît. Fin de vidéo, merci à tous. Ciao. Au revoir, messieurs.